m'appelle Vito Elisabeth. Je suis étudiante en L2 éco appliquée. Notre exposé de ce soir a pour thème l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Parlant de l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, chers membres du jury, permettez-moi de vous dire que la charte africaine a déjà mentionné que l'homme et la femme sont égaux. Et aussi, force est de constater que l'homme et la femme exercent les mêmes fonctions dans les fonctions publiques. Par exemple, l'actuel vice-président Talata joue un grand rôle pour une bonne gouvernance avec notre président, M. Patrice Talon. Leurs actions complémentaires permettent le développement durable du pays. Aussi, on y rencontre des forces, des femmes qui occupent des postes ministériels. De même, André Fauza a déjà affirmé que l'égalité des sexes est acquise en droit. Juste pour nous montrer que l'homme, tous les hommes savent déjà que l'homme et la femme sont égaux. Donc c'est juste l'application de cette règle que nous demandons. Chers membres du jury, permettez-moi de dire que cela se voit aussi dans les foyers où l'homme et la femme ont des devoirs dans le foyer. C'est pas parce qu'on constate que l'homme a le devoir de faire telle chose qu'on ne devrait pas accorder la liberté à la femme de jouer ce même devoir. Donc, on doit accorder la liberté à la femme afin que, en absence de l'homme, la femme peut remplacer l'homme pour pouvoir et accomplir ses missions. Il en est ainsi que les enfants, l'éducation des enfants. On ne devrait pas éduquer les enfants de manière différente. Donc, l'éducation des enfants doit être la même. Donc, s'il arrivait que l'enfant garçon a l'habitude de laver le véhicule de papa et que la fille, elle aussi, elle a l'envie de laver le véhicule de papa, on devrait l'accorder la liberté de laver le véhicule de papa afin que, en absence de l'enfant garçon, papa peut jouir de la liberté de la fille. Donc, chers membres du jury, permettez-moi de vous dire qu'on ne devrait pas priver aucun enfant de sa liberté. Chers amis, je vous invite à voter. Pour moi, je suis la candidate numéro 1.